Bon, bah désolé, hein. Donc là j'ai fait une petite sauvegarde, j'ai bien fait. Donc on va reprendre là où on en était. Donc ceux qui veulent lire le scénario du gardien de zoo, je vais vous laisser défiler donc pour le crâne de base. Ceux qui veulent relire en détail, vous mettrez en pause. Donc là on va reprendre où on en était. Donc on avait configuré des petites zones par-ci, par-là. Et là, mon plan, donc on va reprendre. Donc là, c'est pour l'enclos des futures tortues qui est ici. Bon, on va éviter de faire un enclos. Donc on va faire un enclos comme ça de base. Et ce que je vais faire. On va diviser cet enclos en deux. Pour ce que je veux faire pour mon petit truc. Donc il y aura une partie pour les tortues. Et l'autre, ça sera pour les fameux dic-dic là, les espèces de gazelles. Donc je vais le faire tout de suite. Je pense qu'en vrai. Comme ça, là, on aura les deux enclos. Et moi, je vais faire une autre porte ici. Ah, si c'est possible. Voilà. Comme ça, cet arbre-là, le sol pleurant, on va le dégager. Lui aussi. Ouais, je sais pas, moment c'est dit à quoi. Donc là, on aura deux petits enclos, donc pour la strate que je vais mettre en place. Y a pas mal de cailloux aussi, tu me diras, bon. Putain. Évidemment, il y a un léopard qui se barre. Ici, on va faire quelque chose pour cet enclos. Tant pis. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Hein. C'est en ce moment, j'ai pas eu de problème depuis un moment et là, tu sais pas. Alors, clôture. On va tout de suite revoir pour l'enclos là, pour éviter qu'ils se barrent les futurs les habitats. C'est le 19, je crois. Non, c'est pas lui. Le 18, c'est pour personne. Le 21, il y a personne. Le 20, il y a personne. 18. Ah, le 17, voilà. Tu sais quoi, on va le renommer Léopard. Léopard d'Afrique. Et on va regarder pour les clôtures directes. Quoi, on va pas s'emmerder. Il faut que je trouve. Ah voilà, modifier la clôture. On va faire tout le tour déjà. Ce sera de la tôle ondulée. On verra si ça change quelque chose ou pas. Là, il y a des cailloux, on va les dégager tout de suite pour éviter qu'ils retentent une escalade. Voilà. Normalement, je pense que ça devrait être suffisant. Bon, maintenant pour nos tortues là. Pour nos tortues. Alors, t'es où toi? Ok. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, nos futurs enclos là, parce qu'on va avoir deux enclos hein, côte à côte. Il me manquerait juste un autre dic-dic là et ce serait parfait. Pas mal.
Non, on n'a toujours rien pour l'instant. Ça vient des abris, leur fuite. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ils peuvent sauter, effectivement. Alors, tu sais quoi, hein? On va faire ça. Ce que je vais faire, j'ai tout de suite installé un terrier là. Ah, on a eu des nouveaux léopards. Le terrier, ça va être pour les tortues. Hop, excellent. Mais on a les gradins là, j'y pense. J'avais pas vu ça. Oh, je sais ce qu'on pourrait mettre là-dedans. Est-ce qu'il peut sauter d'aussi loin? Non, ça va. Bon, là pour le moment, on a réussi à calmer les gus là. Ok, c'est pas mal du tout. Personne qui vient là, c'est fou. Les trois tortues vont, on va vite les affecter là dans l'enclos. Ok, elles sont installées, ça c'est très bien. Maintenant, bon, on a beaucoup trop de choses là. Déjà, est-ce qu'on a réduit un petit peu le truc de la surpopulation florale? Ouais. Parfait, là on est pas mal. Il faudrait peut-être un petit peu plus de variété, peut-être, je ne sais pas. Prix bon marché, bon, on va le doubler. Voilà, très bien. Ça manque de sable. On va faire le correctif, parfait. Voilà. Maintenant, espèce tortue sillonnée. On va mettre une conduite d'eau ainsi qu'une auge moyenne. Voilà. Comme ça, on a tout. On va appeler le soigneur pour qu'il fasse le nécessaire. Alors au niveau des recherches, on en est où? Donc on va donner une promo à Brandon Bernard pour qu'il récupère ça au plus vite. Donc là on aura déjà deux animaux. En vrai ici je me dis pourquoi pas foutre les... Comment il s'appelle? Les ours à lunettes, là on pourrait mettre autre chose. Une sorte de grotte, mais le problème, moi ce qui me fait peur, c'est ça quoi, c'est que les ours ils peuvent grimper là. En plus on a un présentoir là, donc je pense qu'en vrai on peut mettre un gros truc. Hein. Moi les ours ça me choquerait pas, soit là ou là.
Et je suppose qu'on peut même pas remplacer les tentes, non. Donc là, avec ça, on a réussi à limiter le truc. Ça, c'est cool. Au niveau des allées, parce qu'il y a des allées, je pense qu'elles vont pas nous servir à grand chose. Hein. On va pas se leurrer. Le parc est trop grand hein, dans sa conception. Voilà. C'est parfait comme ça. Voilà, très bien. Ça sert à rien d'avoir des trucs ici. Hein. Voilà, très très bien. Ok. Bon, ça c'est une bonne chose déjà. Maintenant ici, on va commencer à faire de l'éducation pour nos par rapport à nos tortues. Oh, alors toi mon coco, si tu crois que je t'ai pas vu, on va l'expulser celui-là. J'étais un homme Dominique. Non, non, ça ira très bien, merci. Ok, c'est pas mal. Les haut-parleurs pédagogues, on va les faire tout de suite. Je vais en dupliquer un autre là. On va ajouter. Une boîte à dons ou deux. Excellent. Bon, déjà, là on a de quoi faire. On va essayer de faire des recherches sur les léopards. Je vais essayer de voir si on n'a pas d'autres dic-dic là encore. Dic. Un mâle, ça serait cool. Non, il n'y en a pas. Babouin, Amadria. Il y en a une. Oh, elle va bientôt caner. Ça vaut pas le coup. La nuit encore, non mais putain, il faut faire quoi là sérieusement? Je vais les enfoncer dans le sol hein. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Je sais pas quoi faire avec ça. Bon, on va trouver, hein. Ah, là, on va pouvoir commencer à relâcher les léopards après. Donc là, les tortues, ça va être vite fait. Après, on va commencer à relâcher ici.
Ça y est. Alors, on a nos deux léopards adultes là. D'un. Et de deux. On a déjà relâché deux sur les trois demandés. Les premières recherches vétérinaires viennent d'être bouclées sur le léopard. Ça fait plaisir. Alors, léopard d'Afrique, optimisation. On a le grattoir déjà. Donc 90, 91, peut-être en dupliquer un comme ça. Et vu qu'on risque d'avoir un grand clan, hop, voilà. Et il nous faut... Mais ils font quoi mes vendeurs ça? Voilà. Maintenant, ça devrait être réglé. Voilà. Comme ça, le zoo va commencer un petit peu à mieux tourner. Là, on va avoir bientôt le bonheur global des léopards à 90% pendant 3 mois. Donc, ça, c'est fait. On continue de surveiller. Alors, ah, Babouin Madria, c'est quoi ça? Donc lui, on va l'embarquer tout de suite. Allez, un petit mâle, ça serait cool. C'est vrai qu'une femelle en or, là, j'avoue, ce serait pas mal. On va la revendre. Qu'est-ce qui s'est encore barré que je peux. Je commence à en avoir marre là. Hop. Vraiment. À quoi ça sert de faire des trucs? Ou alors je vais baisser les pieux. Hein. Je vais les enfoncer. Alors, ouais, ils vont perdre en truc, je l'entends, mais au moins on sera sûr qu'ils sauteront pas. Enfin, un peu moins. Quoi qu'on va rien toucher là. Donc, les léopards, c'est fait. Je vais continuer, ou alors je vais peut-être passer sur des tortues vu qu'on a ce qu'il faut là. Ça saute haut un léopard quand même. Bon, l'avion de là, ça tourne, c'est bien. Ah, il y a des mâles, alors ça donne quoi? Ouais, je vais en prendre un comme ça. On va préparer le troisième enclos là. Babouin. Lui il fera l'affaire. On a déjà nos deux mâles, ça c'est bien. Donc ils n'ont plus que 4 femelles, on aura tous les babouins Madria. Bon, j'ai bien fait de les envoyer finalement. On va juste attendre que l'animal soit soigné là. Mais pour comment il s'échappe là?
Non, mais ça me fascinera toujours. Voilà. Là, il faudrait que je creuse le sol. Tu sais quoi, on va aplanir. Hein. Tant pis, mais là, j'ai pas d'autre solution. Ils te le foutent dans cet enclos-là, mais bon. Bref. Alors, les dic-dic là. Alors, on va l'envoyer tout de suite. Ce sera pas là, ça c'est sûr. Ce sera par là. Et toi, pareil, tu vas aller là. Comme ça, on aura déjà trois des espèces demandées du DLC. Alors, ça donne quoi les tortues? Premier niveau, donc là, on va essayer de monter ça rapido. Tortue sillonnée. Ok, bon, on a fait le nécessaire déjà. Donc j'ai déjà enregistré. Bah, zone frontière. Hein. Alors là, par contre, là, on va se marrer avec les dic-dic. Alors déjà, qu'est-ce qui va pas? Trop de ça, trop de ça, trop de ça. Voilà, là c'est un petit peu plus clean. Alors au niveau du terrain, c'est pas assez grand, d'accord. Mais bon. Ok. Si on peut peut-être agrandir le terrain. Ah bah oui, d'accord. Bon. On va peut-être monter la clôture. Ça peut sauter ces bêtes-là. D'accord. Décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le week-end, quoi. Là, les tortues, c'est fait. Merde. Là, c'est bien, là, c'est fait. Bizarrement, depuis qu'on a baissé le truc, on n'est plus embêté pour l'instant. On va essayer de voir s'il n'y a pas des choses sympas pour eux. Dic-dic de machin chouette là.
Bon, déjà on a les grattoirs, on va commencer par là. C'est un petit peu grand. Ah, on a l'un de nos léopards qui a... Ah bah. Alors, oh, un léopard or. J'ai deux femelles alors. Laquelle va me rapporter plus de points? 474 et elle? Bon, la 430, on lâche dans la nature. Par contre, toi, on va te garder pour plus tard. Et je vais voir tout de suite s'il n'y a pas un léopard d'Afrique. Parce que je pense qu'on va devoir commencer à penser à renouveler le prochain couple. Ouais. Lui, on va l'embarquer comme ça, au moins on sait qu'on aura de la réserve. Bon, c'est pas mal du tout. On va essayer de voir pour du babouin. Ils sont pas top, mais je vais les embarquer. Excellent. Alors, bien-être faible, pourquoi? Ah, c'est l'abri qui... Ok. Je vois, on va essayer de trouver une autre solution. Trop... C'est pas plus petit. Parfait, parfait. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ok, c'est revenu. Recherche vétérinaire. Tortue niveau 2, c'est très bien. On va continuer de monter en puissance. Alors, tortue, 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 tortue. Alors, ah, on va avoir des premiers dig-dig, ça c'est cool. Voilà. Ok, et là-bas, je vois qu'il y a un truc de présentation d'animaux. Tu sais quoi? Vu qu'on a des stars ici. Eh ben. Léopard d'Afrique, on va embaucher tout de suite un formateur. On va le mettre au mois de janvier. Hop. Voilà. Bon, ça va. Là, on a notre stratégie à la marche. Là, ils se bougent, barreront plus, je ne sais comment. Donc, on a les recherches là. Ah merde, on a... Bah oui, c'est vrai, s'ils ils vont pas se nourrir, hein, s'ils ont rien. Alors, le dic-dic, là. Ah bah, lui aussi, c'est le gâteau rongé. Ok, je savais pas. Et on va mettre quoi? Une auge moyenne. Et une conduite d'eau. Voilà. Bon bah nos léopards ils continuent de copuler, ils vont nous faire des points. Alors on a eu combien de petits là? On en a eu un ou deux je dirais.
On a eu un petit, c'est bien. On va appeler le soigneur. Est-ce que tu veux que je foute des chats de palace vu la place là? Ça me paraît un peu grand quoi. Mais en vrai, pour une présentation là pour les ours, ça pourrait se faire. Hein. On mettrait où les autres gus là? Ouais, ça se réfléchit, hein. Quand j'ai du mal à me faire de l'argent, hein, c'est ça que je comprends pas. Ok. On a fait les recherches pour la tortue jusqu'au niveau 3. On va continuer pour qu'on ait le plus de trucs d'éducation possible. Et là, je vais assigner au mois d'août pour des tortues. Ça y est, nos tortues commencent à être adultes, donc elles vont peut-être pouvoir copuler aussi. Là, on va avoir des petits léopards. On est plutôt en bonne position. Ouais, elle a bien grandi là, la tortue. Les gens, ils sont vraiment pas propres. Voilà, comme ça là on est pas mal. Après, est-ce qu'on devrait pas bouger un du piquin des haut-parleurs, un des trucs là? Voilà. Bon, bah là on va continuer. Hein. Alors le dic-dic là, il est adulte. 30 points, tu prends. Là, oh! Eh, là on est pas mal là. Encore un petit pourcent et là on aura déjà le petit bon. Bon bah ça c'est fait le bronze. Ok. J'étais contente d'apprendre que vous alliez nous aider à préparer la fête. Vous avez fait du beau boulot pour l'instant. Le réseau de frontières est ravi de vous accueillir dans l'équipe et moi aussi. Pendant que nos tortues trouvent leur marque, commençons les préparatifs de la fête. Qui dit fête, dit invité. Il faut d'abord que l'on fasse venir plus de gens au zoo. Et n'oubliez pas de construire un restaurant. Toute fête digne de ce nom requiert évidemment de bons petits plats. Je viens d'avoir un message qui m'a dit que le zoo va recevoir d'autres animaux. Les efforts de préservation ne s'arrêtent jamais. Alors gardez un œil sur les animaux en attente. On doit s'assurer qu'ils soient aussi chouchoutés que nos visiteurs. Eh ben écoute. Je sais ce que. On va récupérer tout de suite les deux ours à lunettes. Là. On va tout de suite. Je sais où on va les envoyer. Donc déjà. Là-dedans. Au centre de quarantaine. Et je pense qu'on devrait les mettre ici pour moi. Avec le gradin. Il y a moyen de faire quelque chose, quoi.
Donc là, on est recherche niveau 5. On va remettre un petit peu de recherche sur le léopard. Mais là, il y a un coup à jouer avec les gradins pour les ours à lunettes. Et je me dis que ouais, il y a quelque chose à faire. Puis je pense pas qu'ils vont sauter, mais bon, sait-on jamais. Ici, pourquoi pas les babouins? Ah, il y a une blessure. Non, c'est bon. Donc là, on va préparer tout de suite les ours à lunettes. On va les affecter dans cet enclos. Alors, on a déjà fait le paramètre de fin des visiteurs. Ça, c'était trop. Ça, c'est fait. Les deux ours à lunettes sont adoptés. Donc, j'ai tout de suite enregistré. Base de frontières bronze. Est-ce qu'ils sont satisfaits du terrain? Ah. J'aime bien quand ils me disent pas les stats. Alors, non, ça sera pas le bon endroit, malheureusement. Il est si petit que ça l'enclos. Alors attends. L'enclos il sera trop petit ici. Et une fois un enclos assez conséquent là. Tu sais quoi, on va regarder tout de suite. Alors je remarque que nos visiteurs, ils ont très soif. Et bah tu sais quoi? On va rectifier le tir. Avec quelques distributeurs bien placés. Un là. Oh, alors là, nos tortues, elles sont en train de faire fureur. Alors, un petit distributeur bien placé là. Les léopards, on pourrait rajouter un distributeur là. Bon. Où je pourrais placer les ours ici, ça pourrait être pas mal. Mille huit cent huit, mille cent. En vrai, je pense que les ours, on va les affecter là. Comme ça, là l'eau, je vais tout de suite la dégager. On va virer tout ce qui est nénuphar et tout. Mais je pense qu'en vrai, il y a un coup à faire là. Comment ça, des manifestants sont arrivés? Bah, laissez-moi déjà. Putain! Ils ont pas assez d'espace non plus, donc ce sera pas là non plus. Eh bah, très bien. Donc, si c'est pas là, ce serait où? Là, ça pourrait. 1808 mètres carrés. Et là, ça a combien? Ici, ouais. Ouais, on va essayer cet enclos-là. Hein. Ah, excusez-moi, je réponds juste à un truc vite fait.
Ok. Donc là, il nous faut encore combien? Alors là, je regarde. Donc là, on a quasiment tous les animaux du DLC. On va avoir les ours. Bon, les léopards, on en a de la réserve. Les chats, on va s'en occuper. Il faut encore deux femelles babouins. Bah, il y en a une là. C'est pas la meilleure, mais ça fera l'affaire. Et il nous en faudra encore une et on aura tout. Et on aura le quota minimal des animaux. Donc on a déjà aussi relâché quoi? Des bébés Dick, un bébé léopard, ça fait deux. On demande de relâcher, faire naître 10 espèces d'animaux différentes. Et relâcher cette spécimen dans n'importe quel animal d'habitat. Ouais. Bon. On va y arriver petit à petit. Les coquerelles, ça viendra plus tard. Déjà, le léopard niveau 2, on va le stopper. On va s'occuper des recherches sur les ours à lunettes. En vrai, pour moi, cet angle-là, il sera bien. Alors, traitement de l'eau, je vais le mettre où, ça? Pour éviter que ça râle. Nunu, on aime pas. L'eau elle est sale ici. Hein. Retire-moi ça là. Au moins ça serait comme ça. Tu sais quoi, on va l'éloigner un petit peu. Ça va clean un petit peu l'eau, j'espère. Parfait. Alors, est-ce qu'ils sont satisfaits, nos amis là? Bon, l'espace est suffisant, mais pas la zone d'escalade. Bah, tu sais quoi? On va le dupliquer, ça. Alors ça dit quoi déjà? 55 mètres carrés, c'est pas mal. On va redupliquer un. Et là, normalement, ils ont assez d'espace. Ouais, c'est nickel. Abri solide, ils sont pas satisfaits pour l'instant, mais ça viendra. Au niveau de l'habitat, on va mettre. Bon, ils ont de l'eau, ça devrait le faire. Point de nourrissage. Ours à lunettes, ça dit quoi? C'est une grande mangeoire, ça c'est sûr. Ça c'est fait, ça c'est bien. Ouais, il y a plein de choses à virer là. Tout en attendant, trésorerie basse, ouais, je sais. Et c'est pas faute de faire des efforts là-dessus. Alors je vais mettre une boîte à dons ici, une autre là, et une troisième là-bas. Ah. Là, ça devrait commencer peut-être à faire changer un petit peu la donne. La soif, elle remonte bien, là, ceci dit, ça fait plaisir.
Ok, on est pas mal du tout. Bon, il faudrait qu'on atteigne les 1200 visiteurs. Bon, ça va peut-être venir petit à petit. Ouais, par contre, là, il va peut-être falloir faire un emprunt. Je n'ai pas d'autres expli, j'ai pas d'autres solutions. Alors, je vais essayer de voir quel est le plus bas qu'on puisse rembourser. Ouais, on va faire ça, tant pis. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter des petites listes. Bon, lui. Il donne rien. Ah bien. Alors lui, il donne quoi, distributeur? Lui, il donne rien non plus. On le revend. Lui, il donne ou pas? Il donne rien non plus. Parfait. Mais ouais, mais les vendeurs, ils branlent le coup à sans déconner. Non, ça, je comprends pas. J'ai 13 vendeurs. Bah, celle-là. Voilà. Bah, s'il faut faire ça, bon, on va faire ça. Ouais, allez, hop, s'il faut faire ça, bon, on va s'en occuper. Hein. Ah, on va avoir des petites tortues, c'est bien. On va tous affecter nos vendeurs à l'ancienne, hein, si ce qu'il en soit ainsi. Bah toi, tu vas aller là. Voilà, parfait. Bah, qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Ici c'est par, c'est très bien. Alors, recherche faite pour l'ours à lunettes. Ok. On a encore quoi comme espèce là qui nous manquerait? On a. Alors ça me fait marrer. T'as les babouins madriens mâles et femelles qui sont séparés, tu sais pas pourquoi. Alors, babouin, il nous faudra une dernière femelle. Définir la qualité de nourriture pour l'ours à lunettes au niveau 2. Ok. Donc là, il va nous faire des recherches, ça c'est sûr. Et j'ai même pas amélioré ça, man. Bah bravo. Ok. Bon, il est où notre tortue mâle? Parce que lui, mon ami, je suis désolé, mais on va te sédater un peu. Alors, c'est où quoi? Ah, on va mettre des. Non, c'est pas ça. Il est où le mâle? Toi, il doit pas être inaperçu, la tête de sa carapace. On va te sédater, comme ça, on est sûr. Alors, habitat, optimisation, arbre, distributeur, ok, mais truc à pastèque, je prends tous les jours. Ok. Ah, bah ça, ils font des si ils se mettent en route, c'est bien. Pour moi, on peut pas faire grand chose. Ok. C'était peut-être là pour les babouins finalement, je me dis.
Donc là, on commence à être bien. Alors, je regarde un petit peu. Alors, on va rajouter tout le personnel. Hein. On a du personnel, il faut le faire travailler, c'est ce qu'on me dirait. Ah bah, il y a quelqu'un, c'est bon. Là, c'est bon, là, c'est bon. Il y a du monde, il y a du monde. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Ok, super, ça nous fait 3-4 espèces en route, là. Toi. Hop, 28 points de plus là-dedans. Ok, donc ça commence à revenir. Là, on commence à avoir le cap des 900 habitants. 900 habitants, n'importe quoi. 900. Visiteurs, ouais. Je perds mes mots, je sais pas ce que j'ai, désolé. Donc là, on est bien. Donc on va continuer de faire des recherches sur l'ours. Donc ça va pas être compliqué. Une fois qu'on aura une autre espèce ici, ça va commencer à s'accélérer. Donc, j'ai 2-4 babouins. Parfait. Donc là, on va placer les babouins à Madria. Alors, où est-ce qu'on pourrait les placer? Bah ici, hein. Ici, ça me semble parfait. Donc on les envoie tout de suite ici, dans la zone de quarantaine. Après, est-ce qu'ils ont assez d'espace? Je suis même pas sûr. Attends, faudrait qu'on regarde. Ah, quel objectif? 5 espèces dans le zoo, ça c'est bien. Mais on n'a pas encore fini. Par contre, il nous manquerait quoi, le marqueur? Ok. C'est ça qu'il nous faudra, ça serait bien de l'avoir, mais on n'a pas grand-chose pour l'instant. Est-ce qu'on a quelqu'un là-bas? Oui. Elle sert à rien cette boutique, hein, sans déconner. Il me manque 7%. Hein. Et il est là le problème en fait quand tu regardes. Alors pourquoi ils sont bas? Social, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Stress. Ok, ça commence à revenir un petit peu petit à petit la soif. Allez, faites-nous des. Ah bon, on va voir des petits, c'est bien. Alors, les babouins madriens, on a dit qu'on allait les placer là-bas. En vrai, je pense que c'est la bonne place. Hein. Ah, on va avoir un léopard d'Afrique adulte. Alors, est-ce qu'ils ont de l'espace déjà? Ils ont l'espace, ça c'est très bien.
Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est dupliquer ça pour les babouins ici. Donc c'est un peu grand ça. Alors, ça dit quoi là? Parfait, on a tout ce qu'il faut. Bon, par contre, il y a des choses qui ne vont pas. Les nénuphars, les fougères aigles. Alors, on va faire continent Afrique désert et ça. Un arbre à carquois, peut-être. Ça fait beaucoup. Les orties, on va virer. Voilà, très bien. Je pense que là, c'est plus intéressant. Ok. Maintenant. Oh, bah l'ours à lunettes, on va continuer de lui rajouter des trucs, hein. Ils aiment bien les blocs de glace. Tiens, bah c'est pas mal ça. Je vous en distribuer. Ça, c'est quoi? Quatre-vingt-sept %. Bah bon, Madria, qu'est-ce qu'on peut? Des plans de nous, des plateformes de nourrissage de 4 mètres. Ça me semble être cohérent vu le nom qu'ils seront. Voilà. Alors pourquoi ça a diminué à 78% d'un coup? Alors, l'anneau léopard étant l'âge adulte. Hop, on va récupérer 400 points de plus. Ah putain, il aurait fallu qu'un seul mâle, c'est ça? Alors, c'est Abbas. C'est lequel qui a la meilleure génétique des deux? Bon, bah, désolé, mon vieux, hein. Si j'avais su. Alors, je vais voir si déjà il y a une femelle babouine. Et comment il s'est échappé? Ah non, là, ça va pas recommencer. C'est quoi les rochers? On va les dégager. C'est trop de merde, hein. Et s'il faut monter la clôture, ben on va la monter. Hein. Voilà. Comme ça, on est sûr. Qu'il manque combien de pourcents là que je pleure? 3%. Hein. 3 misérables pourcents. Oh yeah. Ce qu'on va faire, on va dupliquer aussi là pour les dic-dic. Hein. Y a personne qui vient les voir. Hein. Où ça? Où? Voilà. On a une partie d'un problème. Ouais, je sais, c'est pour le tic-tic ça. Tac, parfait. Il copule, hein. Je sais quoi, elle, on va l'envoyer tout de suite, pas chez les léopards, mais là. Faut lire le dossier sur l'animal, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave, bon. J'ai réussi à retrouver une femelle vite fait, bien fait.
C'est pas mal du tout. Voilà, en vrai, ce tank-là, il va être pas mal, je pense. Hein. On a quasiment tous nos animaux, hein. Il manque plus que le Marcor et c'est tout. Alors, sachant qu'on a un mâle qui est pas mal, le là, il ne manquerait plus qu'une femelle et ça serait nickel, je pense. Est-ce que je peux monter la qualité de la nourriture au niveau 2 ici? Non, pas encore. Il va se mettre bien là, le babouin alf mâle, là, tous tranquilles. Eh mais il nous manque des trucs là. Je crois que j'aurai une deuxième salle du personnel. Hein. Voilà. Là, je pense qu'avec les deux salles du personnel, on se met bien. Si on rajoute quelques distributeurs, on va rester la strat, hein. Ça coûte rien. Genre là. Est-ce que tu crois que ça fait quelque chose ou pas? Ah, on a eu des petits ours à lunettes, c'est bien. Et on en a eu 1, 2. On a eu deux petits ours à lunettes, c'est bien ça, ça fait plaisir. Ah bah, même les babons ici mettent maintenant. Ça copule de partout dans ce zoo. Ouais. Personne n'est intéressé, on a compris. Très bien, très bien. Alors au niveau du dernier là, Marcor, qu'est-ce qu'on a de bien? Elle, elle peut faire l'affaire. Je regarde dans la zoopédie, il faut qu'il soit combien que je pleure. Bon, ça va, deux. Une main dangereuse. Évidemment. C'est ce rocher de merde en vrai. Hein. C'est quoi, on va les dégager, les rochers. On va pas se poser de questions. Ah, qui c'est qui est mort? Un dick dick mal. C'est pas les pires, ça va. Continue de monter en puissance. Hein. Alors, dick dick. Vous aviez que le marqueur vient de la famille des caprins. Non, tu me l'avais pas dit, mais c'est un truc qu'il va falloir encore surveiller. Ah putain, il copule hein, le mâle là. C'est au moins la deuxième ou troisième femelle qui met en cloque quoi. Alors, dick dick. Il sera pas exceptionnel, mais il fera l'affaire. Voilà. Ok, bon. La qualité de la bouffe de l'ours là, il faudrait peut-être qu'un moment ça monte au niveau 2. Et on approche bientôt des 1000 visiteurs. Hein. Comment ça, c'est... Attends, attends, attends. Ah, il n'y a pas d'eau ici. Il n'y a pas d'eau. Effectivement. Bon là, ça va commencer à... Ça devrait aider un peu les babouins.
On se rapproche des 1200. Bon, le prix du billet bon marché, bon, on va le monter à 15 dollars. Ou alors on monte à 20, allez, vu le nombre d'animaux qu'on a. Alors, les 1200 visiteurs, c'est fait. Bon, il nous reste que la soie. Bon, la soie, je sais pas comment ça se fait, mais ça arrête pas de baisser. Et je pense que je vais promouvoir l'un de mes mécanos, là, Airland, ici. Je vais monter l'un des gars-là, ici, là, pareil. En vrai, ça va, on a réussi à résorber un peu, ça fait plaisir. Ah, on a réussi à débloquer la qualité de nourriture au niveau 2 pour les ours. Bon, on va le faire tout de suite. Comme ça, on aura déjà cet objectif accompli. Voilà, très bien. Les recherches mécaniques, c'est fait. Et bah, tu sais quoi, on va faire les stands de boissons rapido là. Là, notre zoo, il commence à bien tourner. Alors, je pense qu'un troisième soigneur sera pas de refus. Hein. Voilà. Donc là, il nous reste quoi? Bah, toi, tu repars, tu sers plus à grand chose. Alors, le marcor. En vrai. Tu sais quoi, on va mettre les marqueurs là-bas. Déjà, dans la centre de quarantaine, on va essayer de les mettre ici. Je pense que ça peut être un bon plan. Ou alors je mets les chats. Et là, parce que là, j'ai peur qu'ils se barrent en vrai les chats avec la hauteur. Là, ça devrait aller encore. Mécano, mécano et mécano. Bon, là, on commence à avoir quelque chose. Non, tu sais quoi, on va te garder, toi. Ah, il y en a un qui est malade. Bon, on va attendre. Je crois qu'on a commencé à. C'est la soif, hein, l'ennui. Je sais pas comment on va la corriger, ça. Alors, la soif, ça dit quoi? Ils sont tous bien éparpillés. Hein. En vrai, si je mets tout, ils sont concentrés principalement les visiteurs par là. Est-ce que si j'en mets quelques-uns là, ça viendrait? Ah ouais, ça commence à arriver, d'accord. Quarantaine terminée. Ok, alors on avait dit là. Ou alors ici parce que c'est du terrain escarpé, et on met les chats de palace là. Ouais, on peut faire ça. Ça me choquerait pas pour eux. Parce que vu la fosse là. Distributeur là. J'essaie d'en créer un autre ailleurs. Là, par exemple, ça peut être stratégique. Alors. L'ours à lunettes, on a fait le nécessaire. On va retourner un petit peu sur le léopard. On va clôturer les recherches ici. La tortue, je pense qu'on est assez là. On a quoi en stand de boisson débloqué là?
Le Cold Peace Lush, le Piper Water. Ok. Les marcors là-dedans, est-ce qu'ils ont assez d'espace? Oui. Oh la main, par contre, ils n'ont pas assez de rush. Voilà, le terrain à l'abri, c'est bien. Oh, par contre, là, y a plein de choses à dégager. Oui. Oh, yeah. Non, pas ça. Et là, ça commence à donner quelque chose de sympa quand même, hein. Alors, déjà, la conduite d'eau, ça, c'est obligatoire. Le marcor, on va lui mettre une grande eau, on sait jamais. Ah. En termes d'optimisation, est-ce qu'on a des choses? Oui. Voilà, parfait. Je vais en mettre un deuxième. Parfait, comme ça on est sûr. Voilà, léopard au niveau 2, c'est très bien. Alors les visiteurs, la soif s'est remontée à 54%. Bon, c'est pas encore ça, mais c'est en bonne voie, on dira. Alors, la soif, ça se concentre où? Là, 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 ok. Va voir comment ils réagissent là. Ah, pas d'électricité pour le service, ça c'est embêtant. Ah, tu sais quoi, on va l'annuler. Hein. Hop, il nous fera gagner 500. Là, on se refait un peu d'argent, c'est plutôt pas mal. Il faut que je trouve un moyen d'augmenter la soif. Enfin, en vrai, c'est ça qui me fait défaut là. Peut-être qu'avec un petit peu plus de variété dans la boisson, ça devrait le faire, mais j'y crois moyen. Ah, recherche mécanique terminée, c'est quoi du coup? Alors là du coup, on débloque le Pipe Shop Water, bon, il y a de l'eau là, ça commence à être intéressant. Hey, l'eau, ça a son succès, hein. Je dis ça, je dis rien. Un petit distributeur là. Est-ce que ça va suffire? 52, 53. C'est bien, c'est en train de remonter. Après, il faut que ça tienne pendant 3 mois, et ça, c'est un autre problème. C'est bien, ça revient bien.
Ah, nos léopards commencent à mourir de vieillesse. Bon, ils auront bien vécu. Notre dick-dick là. Ah, bah c'est une femelle, attends. J'en avais une autre, je crois. Parfait. Elle, on va la garder. J'ai vu un dick-dick là, un mâle, ça serait bien, un bon mâle. Lui fera l'affaire. Ça en est où là, la boisson? Animal mort. Tu sais quoi? On va renvoyer tout de suite les deux là dans l'enclos, comme on a que des petits là. On va essayer de corriger le tir pour eux. Alors, le léopard d'Afrique, c'est au niveau 3. On va atteindre ce stade là. Après, on partira sur le babouin madrias. Recherche mécanique terminée, c'est quoi? Et là, on a le Foxy Coffee. Ah, ça y est, on a nos premiers, ceux de l'ancienne génération qui sont adultes. 456 points, tu prends. Ça, tu prends. Et ça, tu prends aussi. Voilà, plus de 4000 points de conservation. On est plutôt pas mal. Bon, là, la boisson, on n'arrive pas encore à atteindre les 65%. Mais ça ne saurait tarder, je pense. Avec ce que je réserve là. Voilà. Ça commence à remonter petit à petit. Hein. Il ne manque que ça en vrai. Hein. Alors, est-ce que je tente le coup du yo-yo? Ça marche. Bon, je vais enregistrer juste avant. Alors, le yo-yo, ce que j'appelle le yo-yo, c'est fermer le parc en vrai. Comme ça va faire remonter logiquement les stats. Parce que logiquement, moins il y a de visiteurs, moins il y a de visiteurs, normalement le paquet se regroupe quoi. Voilà. Là, ça va diminuer, c'est logique. De toute façon, j'ai enregistré juste avant exprès, donc c'est pas pour rien que je fais ça. Ou alors, est-ce que je tenterais pas une autre petite strat là, un peu filouse? Logiquement, on pourrait mettre des comptoirs là. Attends, je vais tenter un autre move. Je vais tenter un autre move, on va voir si ça passe. Là, ça marchera pas, au moins on aura essayé. Ok, bon, on va voir un petit peu. En fait, si j'arrive à trouver la zone. La soif. En vrai, c'est par ici, hein. En fait, ce qui est chiant avec la sortie, là, si vous voulez, c'est que bah, y a beaucoup de gens là.
Alors, admettons, je fais service. Alors, je me demande si je fais ça là. Comme ça, là derrière, locaux du personnel. Je vais mettre une petite salle du personnel au fond. Voilà. Comme ça, je vais mettre une allée du personnel 2. Comme ça devrait pouvoir nous aider un tout petit peu. Évidemment, t'as un vendeur. Voilà. Et là, ça devrait nous aider un petit peu pour la route. En plaçant ces personnes-là, donc regarde, on est déjà remonté à 63, c'est plus de 65%, hein. Alors, service sans panneau. Merde. Donc le léopard, c'est pas mal du tout. On va repartir, on avait dit, sur le babouin tout à l'heure. Regardez. Hein, qu'en faisant ça, on est déjà remonté. Hein. La petite, j'aurais dû y penser plus tôt avec le chemin. Allez, faut pas que ça reste en dessous des 65%. Mécano requis. Mécano. Mécano. Voilà, je pense que là on a fait pas mal de belles choses. On a un Dick Dick qui est mort de vieillesse. Ah, bon, on va l'appeler tout de suite en urgence. Elle, c'est une adulte. Elle a dit, moi, que ça tient. Et voilà, bon, on a réussi. L'argent. Phew. Bonjour, il y a une certaine Stéphanie qui vous parle et elle est très enthousiaste. Apparemment, son père est l'un des actionnaires du zoo de frontières. Et si la fête d'anniversaire lui plaît, il lui paiera ses études de zoologie. Il y en a qui ont de la chance, pas vrai? Bref, c'est pour cette raison qu'elle a décidé de superviser le planning de la fête afin de s'assurer qu'elle soit réussie. Et elle a l'air de tenir particulièrement à ce qu'il y a des chapeaux de fête pour les visiteurs. Elle m'a demandé de vous dire de construire quelques boutiques de souvenirs. Elle trouvait pas aussi pas super juste que les animaux ne puissent pas porter de chapeau. Alors elle souhaite leur donner des optimisations afin qu'il n'ait pas le seum. J'espère que vous y comprenez quelque chose, car je ne peux pas vous y aider. J'ai une petite faveur à vous demander. J'ai des ours à lunettes qui sont prêts à rejoindre le programme de préservation. Ça devra libérer un habitat pour les propriétaires de Coquerel, que le père de Tiffany a offert aux zoos. Il y a aussi quelques espèces qui seraient bien de présenter aux visiteurs. Vous devriez engager des formateurs pour les édu pour éduquer les gens pendant qu'ils s'amusent. On pourrait appeler ça de l'aguisement éducatif. Et ben voilà. On va sauvegarder tout de suite le zoo. Ces zoos de frontières. Merde. Un zoo de frontières argent. Voilà, très bien. C'est eux les propriétaires. Hein. Alors, est-ce qu'on a déjà accompli des objectifs en or? Alors, faire naître 6 espèces d'habitats différentes. Relâcher 7 espèces dans n'importe quel habitat. Adopter les Profitech. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va passer. Alors service, service visiteur, boutique de souvenirs. Alors on a quoi? Donc ça, on va tout de suite le retirer. Il va me falloir. Est-ce qu'on a le hat fantastique ou pas? Non. Donc ça veut donc dire qu'il va falloir retourner dans les boutiques de souvenirs. On va mettre Erland ici. Donc là, on va faire nos recherches. Donc on a déjà quelques objectifs accomplis en or. Ça fait plaisir. Par contre, il va falloir qu'on continue de monter. C'est vrai que les toilettes, là, c'est un peu compliqué. Les toilettes. Bah tu sais quoi, on va en mettre à l'entrée, hein. Je vais en mettre à l'entrée.
Voilà. Je pense que c'est une bonne étape en vrai de faire ça. Le babouin madrier en continue. Alors, il nous manquerait quoi? Ah, moi qui avais prévu de voir mettre les chats, bah tant pis. Hein. Ok. Bah, tu sais quoi, on va les mettre là en vrai. On va les envoyer tout de suite en quarantaine. Et je crois qu'on va augmenter le nombre d'agents d'entretien. On en a combien là? On en a 6, ben on va en rajouter 4. 1, 2, 3 et 4. Ok, les propriétaires là, on va vous déplacer tout de suite dans cet enclos. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous demander pour les propriétaires de Coquerel là? Bah, ça c'est fait. Ah non, ils sont déjà barrés, vraiment. Mais c'est qui se barre? Ils se barrent tous les trois comme ça, tranquille, bon. Ok, après, on n'est pas obligé de les garder, hein, en vrai. Je sais ce qu'on va faire. Tu sais quoi? On nous a demandé juste de les installer. On nous a pas dit de faire un enclos pour eux. Dans la logique des choses. On est d'accord. Bah, tu sais quoi? On va faire ça. Vu qu'il saute dans tous les sens. Alors, quel animal s'est échappé? On va essayer de voir si on peut pas faire en sorte que les autres. Alors, est-ce qu'ils pourraient pas se mettre avec les babouins? Je suis en train de me demander, mais. On va regarder quand même, hein. Parce que si c'est le cas, on se règle un problème. Alors. Ah putain, ils peuvent se mettre avec les autres, les murs, Vari blanc et Vari roux. Et on va foutre les chats là-dedans. Hein. En vrai. Et attends. C'est vrai que cet enclos-là. Tu sais quoi? Je vais peut-être changer la donne là. Voilà. On va modifier le truc. Et on va faire en sorte qu'il y ait de l'escalade double sur tout le truc. Ça évitera qu'ils puissent se barrer comme ça. Alors par contre, il va falloir monter les eaux au niveau 4 étoiles et demie. Hein. Quatre étoiles et demie, c'est énorme. Hein. Donc là, on a bientôt le babouin madrier au niveau 2. Donc la fin, on a réussi à rééquilibrer. Par contre, les toilettes, on a un problème de toilettes, hein, sérieusement. Et comme ça, on fout les chats dans la fosse. D'où l'expression la fosse au lion, ou au chat de palace, si vous préférez. Non, mais en vrai, sur le papier, c'est excellent, ça. Par contre, là, il va nous Hello faire. there. Ah, merci du fondo, Cavani.
Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est en lien à Edinson Cavani? Je ne sais pas. C'est un très bon joueur de football uruguayen. Hein. Alors déjà, on va continuer. On va. C'est vrai que les babouins, là, c'est une attraction. Hein. On va pivoter comme ça. Babouin Madria ici. Babouin Madria. Non. Non plus. Et bienvenue à toi si tu veux te manifester ou tu n'hésites pas. On ne mange pas encore, hein, sauf le modérateur Momon, à lui, il mange tout le monde. Hein. Voilà. Babouin Madrias ici. Il va nous falloir des haut-parleurs pédagogiques. Et après, on va commencer à préparer la visite. Alors, service, visiteur, argent. Voilà. Alors, le chat. Alors, Oulagan. On va tout de suite le mettre là. Injuste. Alors, une fois que Guérel sera là-dedans, ce sera bon. Ok. Là, on a fait le plus dur, je pense. Maintenant, il faut qu'on continue de monter le bien-être de nos animaux. Là, on a quasiment. On a combien d'objectifs là? On en a 4 sur les 7. On va essayer de faire vite la visite guidée. Alors, une étape là. Une deuxième ici. Ouais. 3. 4. 5, 6, qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais. Alors tu sais quoi, on va commencer par là. Bah, le début du visite, c'est toi. Sélectionner des étapes. Faire ça, on va faire ça, on va faire ça, ça, ça. Et attends, il manque une étape finale pour la visite quand même. Ah oui, il faut assigner les espèces maintenant. C'est quoi, on va les foutre là, les pompiers pre-tech là. Alors, les chats. Bon, les stagiaires là.
Parfait. Bon, pour les plantes. Miaou. Bon, déjà, ils sont pas mal ici. Donc le chat de palace là. On va lui rajouter quoi? De l'eau. Une grande mangeoire. Attends, comment ça des manifestants sont arrivés aux eaux? Je suis en train de faire un enclos là, messieurs, dames. Toujours au bon moment. Ah. Qu'est-ce qui va pas? C'est pour eux, c'est ça? 14 orties, ça fait trop. Voilà. Et maintenant, on va optimiser tout ça avec. Bon, ils vont pas s'ennuyer, déjà avec tout ce qu'on va mettre. Ah, on a nos ours, un de nos ours qui est adulte là. Voilà, très très bien. Et je vais donner un petit coup d'accélérateur à certains de mes personnels. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon non plus. Quel animal c'était chop? Y a toujours un relou dans le tas, évidemment. Là, ils n'ont plus qu'à placer ça. Là, on est pas mal au niveau du bien-être des animaux. Mais c'est pas encore suffisant. Donc, la boutique de souvenirs, on s'en occupe. Les babouins madriers, on va laisser de ton côté pour l'instant. Alors déjà, c'est lequel l'animal qui n'a qui est moins de. Et cet animal-là, il est stressé, évidemment. C'est quoi? Oups. On va faire en sorte que les cailloux, ça dégage. Encore? Cherche pas, c'est les cailloux, ça. Si vous avez un souci, à mon dégagez les cailloux, bon. Honnêtement. Pour moi, ils ne devraient pas sauter aussi loin, enfin, c'est étonnant. Alors, ce qu'on va faire, Habitat, ça peut se foutre dans un poulailler, sérieusement. Bah oui. Ça peut se foutre dans un poulailler. Bah écoute, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. On va virer tous les cailloux du coin parce que bon. Et logiquement, là. On devrait avoir moins de problèmes. On est remonté à 63%. Ok.
On va essayer de creuser au maximum le terrain là. Bon, ça commence à bien remonter, c'est bien. Bon, y a trop d'herbes longues par contre. Ok, j'ai compris. Merde. Excellent. En vrai, il y a le problème de stress à gérer, quoi. Est-ce qu'on continue d'optimiser ou pas? Il nous resterait quoi à faire de marketing? Alors bon, eux, les marqueurs, ils sont ravis à 100%, donc on n'a plus à s'en soucier. Nos tortues. Elles tournent. Donc là, c'est bon. Nos ours. Ils ont faim. Ah. Effectivement, c'est un petit problème, ça. Alors, eux, là, les propriétés, la machin chouette. Alors, qu'est-ce qui va pas pour vous, mes petits amis? Voilà, le terrain, c'est fait. Bon, il y a trop de choses, hein. Bon, en gros, il n'y a rien qui correspond, quoi. Alors, les propriétés, là, on va essayer de leur donner un coin décent. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ça. Ça. Et ça, au niveau des optimisations. Bon, décidément, les chats, vous avez décidé d'être chiants. Miaou. Non, il faudrait qu'on continue d'améliorer. Ici. Alors, les babouins madriers adultes, où ça? 38 points de plus, parfait. Peut-être monter un petit peu le budget au niveau du. Alors là, on est à combien de pourcents? Eh, 90% là. Ça commence à être pas mal tout ça. Ah, dommage. Habitat, propriétaire de coquerelle. Donc, on va mettre quand même une conduite d'eau dans le doute. Et une planche de nourrissage ici. Excellent. Et là, on va commencer à préparer la visite tout de suite. Alors, étape sans activité. Ok, alors, j'ai compris pourquoi. Qui c'est qui s'est encore barré? Mais c'est foutu. Comment ils peuvent se barrer? Ils sont... On va paniquer, on va creuser à fond. Comme ça, on est sûr qu'ils pourront pas sauter. Alors, on va essayer d'aplanir jusqu'aux fondations, si c'est possible.
Alors on creuse. Non, on va creuser parce que là il faut. Il le faut. Ils sont chiants, hein, c'est. Il faut faire tout le terrain. On va essayer de revoir ça. Allez. Voilà. On va revoir tout de suite les habitats pour être sûr pour pas se planter. Alors là, c'est eux. Ok. Donc je mets tout de suite chat de palace. Au niveau de la clôture, ça dit quoi? Alors attends. On va essayer de modifier la clôture. Ouais, pour essayer comme ça, on verra ce que ça donne. Normalement. Ça devrait éviter des problèmes, enfin j'espère. Alors par contre, qu'est-ce que ça manque de toilettes? Ça manque de plein de choses. Hein. Bon, je sais qu'ils n'ont pas grand-chose. Et après, je pense que... Ah, qui c'est qui empêche les autres de se reproduire? Edran, ok. Alors. Est-ce qu'on a un marcor là, mâle, qui traînerait? Excellent, on va l'embarquer. Toi, on va te transférer ailleurs. Ah, ça y est, on va perdre notre dernière dic-dic là. Elle était toute seule. Et là, comme ça, on place nos deux nouveaux tourtereaux. Allez. Bah, tu sais quoi, on va commencer. Alors là, ça va être pour les... Oh, petit de coquerelle, ok. Là, Babouin Madrias. Léopard d'Afrique. Marcor. Miaou de Palace. Tortue sillonnée. Et logiquement, il y a une section là. Et là, c'est le dic-dic. Ça peut nous donner un petit peu plus de bonnes choses. Alors, service. Il va nous falloir des toilettes au milieu. Parce que, ouais, ça, on manque de toilettes, hein, clairement.
Et je les mettrai où ces foutus chiottes? Ça, une bonne question. Bah, ici, là, ça peut être pas mal. Peut-être en montant un poil. Voilà. Ah, et on n'a pas d'électricité, évidemment. Alors ça fait bizarre comme ça, mais ça, si on trouve la petite truc. Alors ici, combat dangereux pour le statut d'alpha. Ils n'ont plus grand chose, hein. On est quasiment. Donc, il nous manque plus que trois objectifs. Là, en vrai, je vais attendre un petit peu avant de faire la comment ça s'appelle? Mais vraiment, mais d'où? Oh, cadeau. Chat. Voilà. On commence à être un petit peu mieux, mais bon. Alors, ah. Merde. On avait deux mâles, j'avais pas vu. Lui, on va l'envoyer soigner où? Alors, achat de babouin madrier adulte, ok. Mécano. 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 Pas mal du tout. Maintenant, on va faire tout de suite l'objectif du truc là. Alors, c'est quoi chapeau hâte, je sais plus quoi. Il s'est encore échappé? Mais c'est pas possible ça! Mais d'où il s'est échappé cet abruti? Bon, on va encore monter la clôture, hein. Que je te dise. Voilà, excellent. C'est quoi qui va pas encore avec eux? Ouh, attends. Hop, et deux. Hop là, et 2-3. Bon, ça règle une partie du problème. Ah. Mais comment ça se fait que j'arrive? Qu'est-ce qui manquerait pour arriver au sommet là? Bon, le chat de palace, là, on va essayer de continuer de l'optimiser. Bon, au moins là, il se barre plus, ça c'est bien.
Bidouille s'est échappé, mais c'est pas possible. Je suis. Je patauge dans l'imbécilité, mais littéralement. Alors, les chats de palace, là. Ils portent bien leur nom, d'ailleurs, tu me diras. Alors. J'ai rien en optimisation alimentaire. Super. Ah, parfait. Là, je suis toujours bloqué à 3,5 étoiles. Soigneur assigné. Toi. Désolé, tu t'en vas. Parfait. Mais d'où il y a autant de problèmes de détritus? Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, il me manque un dernier service, c'est vrai. C'est quoi qui me demande un hâte fantastique? Ah bah c'est ça. On s'en fiche maintenant qu'on l'a fait, il ne nous restera plus que deux. Regarde aussi la sécurité. Ouais, je pense que t'as peut-être raison en vrai. En train de me dire. Il s'est encore barré, mais. C'est pas possible ça d'être aussi relou. Et lui se barre, putain. Au secours. Tu sais quoi modifier la clôture? Bon, je sais que c'est pas sexy comme ça, mais au moins on est sûr. C'est vrai que là, je vais devoir bombarder l'éducation. J'essaie d'en dupliquer comme je peux. Non, pas comme ça. Voilà, très très bien, tous ces écrans. Hop. Voilà, comme ça on va commencer un petit peu par-ci par-là déjà. Alors l'animal a mangé de la nourriture. Oh punaise, ok, ça commence bien. Alors le chat de palace là. Qui fait miaou. Voilà, on est mieux. Ils sont vraiment chiants, ils portent bien leur nom, chien de palace. Hein. Et on va dupliquer aussi.
faut que je continue à faire le plus de trucs éducatifs aussi. Hein. Si je veux avoir mes chances là. Alors peut-être que je devrais le déplacer plus là, comme ça il va moins entrer en contact avec l'autre. Voilà. Qu'est-ce qui nous manquerait pour son habitat? Voilà. Par contre, Asie. Voilà. C'est mieux comme ça. Quel animal s'est échappé, que je pleure. Encore lui, mais c'est pas possible. Ils le font exprès. Alors, bon. Alors, les animaux là. Qui c'est qui a le moins de bien-être? Alors, le dic-dic de cœur, pourquoi? C'est lui qui me plombe ma note depuis tout à l'heure, sérieusement. Afin. Ils foutent quoi, les soigneurs? Je recrute un autre, hein, si c'est ça, mais bon. C'est quand même pas normal, quoi. Voilà, comme ça, là, on est sûr. C'est vrai que l'enclos il est un peu petit quand même. Hein. Et attends, comment ça, 33% là? Tu dis quoi, je vais l'amener là. Il a faim, abruti. Bon, il manque plus que 4 petits pourcents, on va les trouver. Non, mais c'est fait exprès que dès que j'arrive à la fin, t'as tous les animaux qui veulent se barrer, alors que bizarrement, ils se sont pas voulu se barrer du reste du scénario, et là, bah non. Bon, les boissons, c'est bien. Mais ce qui nous manque, c'est les toilettes. Hein. Satisfaction des visiteurs, toilettes. Ah ouais, je sais que c'est compliqué à mettre en place des toilettes, hein, au centre. Alors, les toilettes. Je peux même pas en mettre, t'es sérieux? Mais c'est une plaisante, c'est une putain de blague. C'est comme ça. Wait, wait, wait. On peut se barrer? Non, mais... C'est pas possible ça les gars, là je suis pas d'accord. Hein. Oh là là. J'hallucine hein, totalement. Il n'y avait pas de trou, alors tu retires le truc, c'est une clôture invisible, ça te met un trou. Comment dire, peu de soigneurs et pas de zone de travail. Il y en a 4 moments. Hein. Voilà. Voilà.
Là, ça devrait les calmer un peu. 72. Oh putain. Tu sais quoi, on va monter tous les soigneurs au niveau 2, comme ça on sera sûr. Ok, on est pas mal du tout. 89. Il y a de la progéniture là. Mais comment il s'est barré lui? Il est même pas dehors, abruti. Alors. Là, ils vont me poser des problèmes jusqu'au bout, ces foutus chats. Et il manque rien, c'est ça le pire. Et quoi, ici, on tentait un truc. Mur de brique, tu peux pas, ça, tu peux pas, ça, tu peux pas. On va faire comme ça, écoute, hein. Moi je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Il nous manque pas grand chose à chaque fois. Animaux. Bon, ça c'est fait. On va reprendre le babouin Madrias. Ou attends, non. Pas le babouin Madrias. Sangle là, sangle là, sangle là. Le lémurien. Ouais, je sais, mais la sécurité, honnêtement, c'est pas le pire. Hein. Alors, ouais, ça, je veux bien. Quel animal n'a pas assez de bien-être? C'est eux alors. Alors toi. Voilà. Donc là, ça y est, on a enfin 90%, mais il faut qu'on les tienne. Et ça, c'est un autre problème. Putain. Mais lui, il se... Non, mais ça, c'est pas normal. Je suis désolé. Il y a toutes les clôtures là. On a tout monté exprès pour que ça tienne. Eh ben non. Écoute, je vais monter comme ça. Ici, il faut mettre des planches en bois. Ben, on mettra des planches en bois. Il n'y a pas de problème. Et on va faire en sorte qu'on ait du vitrage. Comme ça. On va mettre du vitrage, comme ça ils pourront voir. Et parfait. Alors l'adulte là, c'est bon. Lui, il s'en va. Voilà. Il manque plus grand-chose, hein. Il manque plus grand-chose. Attends, si c'est Léo... Bah comment il sait? Oh putain, lui il m'énerve. Hein. Bref. Tu sais quoi? On va faire un truc. On va tout jouer sur le marketing maintenant. Voilà, comme ça, là on va essayer de monter à 4... On est à 4 étoiles, hein. Ils n'ont plus grand-chose.
Lui, il porte bien son nom. Alors, il nous manque quoi là? Une note globale de 4.0. On va recruter plus d'agents déduits. Bah déjà, on va revendre tout ce qui nous coûte, qui est dans le négatif. Hop. Le reste, on devrait pouvoir le revendre à un moment, je suis désolé. Hein. Alors attends, merde, qu'est-ce que je fous moi? Allez, putain. Reste à deux mois, je t'en supplie. Ok. Il nous reste. Allez, allez, me fais pas le coup. Oui, allez, il reste plus qu'à faire. Les 4 étoiles et demie. Peut-être que si on leur donnait. Alors maintenant, il va falloir boomer l'éducation. Qu'est-ce qui me manquerait pour remonter? Mais ils branlent quoi les gus là? Là on va rajouter deux vendeurs en réserve. Comme ça on est pas mal du tout. Alors, il faudrait qu'on continue de monter l'éducation des visiteurs, ça c'est obligatoire. L'animal dangereux s'est échappé, évidemment, le chat de palace. Service, éducation. Ne pas nourrir. Et ne pas nourrir. Mettre des caméras pour augmenter un petit peu la sécurité par-ci par là. Allez, non, plus grand chose. C'est qui est mort? Bah, capture de l'animal, tac. Ouais, il faut qu'on continue de monter l'éducation. Ok. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous voulu avoir faim d'un coup, là? Les soignants, ils foutent quoi sans rire? Eh ben, tu sais quoi? Je vais faire une zone de travail globale, là, je vais pas me casser le cul. Les gars, à un moment, je vous paye pas des formations pour pas que vous les touchiez, quoi. Voilà.
Bon, on va y arriver à un moment, mais bon. Ouais, plusieurs animaux ont faim et pourtant je dis à un soigneur de venir hein, tout à l'heure. C'est pas que je veux pas, hein. Ok, bon là ça remonte un petit peu. Ouais, non, il faut que je continue à monter les trucs, hein. Je me demande si je... Hop, les chats là, ils sont à l'abri. Et la bouffe là, c'est quoi ça? Là, je suis à 3,82. Il faut continuer de monter l'éducation. Hein. J'ai pas le choix là. Alors, on va pas paniquer, on va réfléchir. Et je vais rechercher un deuxième formateur, j'en ai besoin. On est en train de remonter petit à petit. Le propriétaire, là, ça continue de monter en puissance. On est pas mal. Et c'est vrai que lui, on n'a pas de d'écran en fait depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire. Alors, on va continuer. Quel animal s'est échappé? Lui encore, toujours. Alors, les... Ou alors, pause. J'ai trois léopards adultes là. Alors, un mâle. Un autre mâle. Elle, je vais la garder, la femelle, on sait jamais. Qu'est-ce qui manque pour que ça monte, quoi? Qu'est-ce qui manque? La note d'éducation, elle remonte un peu, ok. Le marketing, je suis à fond. Les... Bon. Qu'est-ce qui manquerait? La note de préservation de l'animal. L'éducation des visiteurs, bon, on va continuer, hein. Là. Voilà. Ah non, c'est l'éducation, il faut que je continue de l'améliorer. Qu'est-ce qui nous manquerait encore? Voilà, ça c'est fait. Alors, est-ce qu'on a du courant là?
Non, là on n'en a pas. L'éducation des enfants. C'est vrai que c'est pas un mauvais plan, ça, moment. J'avoue, j'y avais pas pensé. On va voir si ça a une petite signifie un truc significatif ou pas. Bon, allez. Marcor, ça dit quoi? On est à 3,86. 4,5, qu'est-ce qui... La fin, ça revient. En vrai, là, le problème que j'ai, c'est les chiottes. Hein. Comment ça se fait que je perds autant d'argent, là? Écoute, hein. Je vais arrêter la grosse campagne pour le moment. On va économiser de l'argent. On fera ça en dernier, je pense. Que là, je suppose que j'ai pris un coup. Ouais, j'ai pris un gros coup dans les dents. Avec le truc. Il faut que j'attende. Il faut que je continue de monter mon éducation et tout ça. Ou sinon je remets un autre animal là, mais bon, est-ce que tu veux que je mette là-dedans? Faut que je réfléchisse. Un animal pas trop chiant. Qui se tiendrait tranquille. Non, les loups là-dedans, ça, ils vont faire chez le monde. Putain, ça descend, la vache. Ouais, un koala, mais faut pas qu'il grimpe aux arbres aussi, mais bon. Un truc tout simple, pas trop compliqué, quoi. Il faut qu'il soit combien aussi là-dedans? Oh merde. Alors, pourquoi il peut pas se relâcher alors que c'est un jeune adulte? Ah, parce que monsieur, bah d'accord. Bon, là on est remonté à 3,23 peut-être aussi.
Il faut que je continue l'éducation. Hein. Là, j'ai vraiment pas d'autre idée. Hein. Ah. Ça, il est ben moi m'adresse, ils vont commencer à canner. Bon, ça commence à revenir petit à petit, là, c'est pas mal. Donc là, c'est bien le babouin, il nous a donné des points. Je vais faire pareil pour le marcor maintenant. Ah, on n'a plus de chat de trucs. Donc là, on est remonté à 3,31. Oh putain, il y a une épidémie de fièvre. Oh là là. Et que ça tombe au bon moment, ça. Soigne-moi ça, là. Ils ont tous la fièvre, c'est pour ça que je peux pas les revendre, je comprends mieux. Notre zoo est en train de revenir là, je sais pas comment ça se fait, mais on n'a plus rien. Oui, je sais, mais je suis en train d'essayer de faire. C'est quoi ça encore? Un veto requis, ça serait bien. Bon, l'éducation, on est monté à 2 étoiles, ça c'est très bien. Le dic-dic, là, il va falloir faire quelque chose. Là, j'ai changé d'... Alors, oh, des femelles, ça je prends, ça je prends. On va préparer la prochaine génération. Ou sinon, un cerf, hein. Est-ce qu'ils ont assez d'espace là-dedans? Je suis même pas sûr. On est à 3,30. Un dernier personnel, peut-être deux autres vétons, on va doubler le nombre. On est pas mal là, mais bon. C'est vrai que là on perd un animal qui était pénible. Hein. Et bon, on perd un dic-dic, ok. Lui est encore malade. Là, on a toutes nos tortues adultes, on va tout de suite les relâcher. Là, on va appeler le veto tout de suite. Là, on va tout. Donc lui, c'est bon. Qu'est-ce qui est mort? Ah bah ok. Vétérinaire en urgence, veto en urgence. Voilà, il y a plein de problèmes d'un coup. Hein. Par contre, ceux qui soignent, il fait quoi le chercheur là? Il se touche ou quoi? Ah ouais, maladie potentiellement mortelle. Si mais mon veto faisait quelque chose aussi pour les recherches, on n'en serait pas là. Alors Brandon, dis-moi que t'es en recherche là. Tu sais quoi, tant pis.
Il va nous faire un autre animal là. Bon, moi, l'éducation, elle est bien remontée d'un coup. En vrai, si je remettais le marketing là, peut-être que ça passerait, hein. Commencer, commencer, commencer. Il nous manquerait combien? Putain, il nous manque un demi-point, hein, quasiment. Ouais, ça nous fait décroître le marketing, par contre. Il faut l'activer à la fin, alors. Une fois qu'on sera aux alentours des 4 étoiles, c'est ça qu'on va faire. Mais bon, là, il nous faut un autre animal de rush, de secours. Et je sais pas quoi prendre, j'avoue. Allez, on va tenter les castors. Pourquoi pas après tout. Bah du coup, on va dégager tout ça. Ça nous fera des économies d'argent. Et on verra ce qu'ils veulent. Alors, les castors, ça dit quoi? Est-ce qu'ils ont déjà assez d'espace? Ils ont l'espace, ça c'est une bonne nouvelle. Manque d'eau encore. Ok, alors les boulots de l'Himalaya, c'est mort. Il manque encore un tout petit peu d'eau. On s'en fiche. Je pense que le koala, le castor, c'était une mauvaise idée en vrai. Tu sais quoi? On va tenter d'autres choses de plus simples, on va pas s'embêter. Je vais prendre, alors dis-moi qu'il y a un truc sympa, je t'en supplie. Qui prennent pas trop de place. On va tenter les cerfs. Ça peut donner un peu de cachet aux eaux. Moi, je prends. Et comme ça, là, nous, l'eau, on va la dégager. Donc là on va voir ce qu'ils font les cerfs et après on verra. Ah oui, c'est vrai qu'on a les léopards. Là. Ce qu'on va faire. Il nous reste. C'est quoi? C'est des adultes ou des jeunes? Ce sont des jeunes, ils sont pas encore adultes. Bah, les deux, il me semble qu'on avait des léopards de réserve. Hein. On avait une femelle léopard en réserve. Ok. Et bah tu sais quoi? C'est une femme, évidemment. On va attendre un petit peu. Et bah pour du terrain, c'est plutôt pas mal.
Ça, c'est bien. On doit faire tout revoir là. Ah, ça ne va plus, pourquoi? Pourquoi mes trucs d'habitat ne fonctionnent plus? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un bug, alors attendez, je vais sauvegarder. Je vais juste charger. J'ai l'impression que j'ai un bug. Pourquoi ça ne marche plus? Ok, alors on va voir parce que j'ai l'impression que j'avais eu un bug, j'espère que c'est ça. Ouais, j'ai eu un bug, alors ne me demandez pas pourquoi. Serre, il a fait. Voilà. Voilà, comme ça, là, je pense qu'en vrai, on aura fait le plus dur. Alors, au niveau des optimisations, bah, le canard en plastique, ne me demandez pas pourquoi. Mais bon, soit. Voilà. Alors sinon au niveau de la de l'environnement, ils sont fous. Y a combien de babouins Madria là-dedans déjà? Alors, recherche mécanique, ça dit quoi? Ok, toutes les structures c'est fait. Recherche vétérinaire, ça dit quoi là? La fièvre, on l'a calmée. On va reprendre des recherches sur. Là, on est pas mal, là on est pas mal. Allez, le dic-dic de Kirk. Oh putain, maintenant il y a le botulisme qui s'y met. Super. Les animaux. Non, je vais faire une gaffe. Les deux castors, vous partez. Hop. Voilà. Par contre, là, on a combien là? 3,33, ouais, ils n'ont pas grand-chose.
Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait de plus là? Ouais, c'est encore l'éducation qu'il faut qu'on monte à fond. On va mettre en x3. De toute façon, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Il faut que je rajoute des trucs éducatifs à gogo. J'ai pas le choix. Par contre, il faut que je trouve une bonne place. Bah, parlant de place, bah, je crois qu'on l'a toute trouvée. On va dupliquer. Si on peut monter au maximum l'éducation, on va le faire comme ça. Hein. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Voilà, déjà ça peut donner quelques points par-ci par-là. Moi je prends. Ok, ça remonte un petit peu petit à petit. Alors il y a, oh, il y a plusieurs, attention. Pause avant d'éviter un drame. On a un Dick Dick qui est décédé. Et on n'en a plus. Aïe. Ça pue. Ça c'est chiant là, le décès du Dick Dick là. Qu'est-ce qu'il nous faudrait peut-être un truc qui ressemble au Dick Dick. Bongo, ça peut être un plan B, ouais. Essayez, hein. Attendant le Dick Dick. Wow. On est à 3,20. Honnêtement, il faut qu'on remonte la note des toilettes, les gars. Les toilettes. Tu veux les mettre où? Ça, c'est la question. Là, ça marchera pas, je suppose. Ah, attends, on a peut-être trouvé. Voilà. Il y a des gens qui doivent aller au cabinet. Moi, ils peuvent, hein. Mais pourquoi vous venez, vous y allez pas? Il y a un problème ou quoi? Vas pas me dire que c'est la végétation quand même.
T'es sérieux? Pourquoi ils y vont pas? Je comprends pas. Y a pas autre chose hein, à faire. Ouais, c'est les toilettes hein, qui posent énormément de soucis. Hein. Là, il y en a des toilettes. Ah, c'est la note des toilettes. C'est d'accord. Bon, bah, j'ai rien dit. Je comprends mieux. C'est la note. C'est le pognon des toilettes qui donnait un peu envie. Je... Ah, voilà. Et du coup, si on remet un 50, logiquement, ça devrait être bon. Faut pas me dire 15,50. Abusez pas, les gars, un 50, quoi. Pas chier, quoi. Un dollar, c'est bon. Ouais, non, je peux pas s'y remaner parce que là, vu ma trésorerie, j'en ai avoir besoin. Parce que puis l'entretien et tout, un dollar, je pense que c'est symbolique là. Bon, là, on est en train de remonter petit à petit. Trois trente. Là, ça commence à bien remonter là. Et ça, et hop. Avec un dollar, là, je me dis franchement, comment il s'est échappé lui? Bon, ça, il est revenu. Ouais, hop, parfait. Voilà, on perd de l'argent là. Bon, la note de toilette est bien remontée, ça fait plaisir. La satisfaction globale elle remonte aussi. Ok, c'est pas mal. L'éducation là, on est plutôt sur une bonne pente. Il faut que je continue à dupliquer les panneaux, hein. J'ai pas le choix. Donc là, j'en ai là, j'en ai là. Attends, je l'ai pas foutu sur la grille quand même. Ah si. Je vais faire une gaffe. Et d'ailleurs, les chats de Palace Irmanos, ils m'ont posé énormément de problèmes. Donc je les ai eu un petit moment et ensuite, bah, j'ai laissé la nature faire les choses. Alors on a les espèces invasives. Partage de l'économie des terres. Du coup, bah, disons que ils sont un petit peu décédés, même s'ils ont bien copulé les bébêtes.
Alors, c'est pas le braconnage, c'est la fragmentation. Réparation de la couche d'ozone. Voilà, comme ça là. Et c'est bien remonté, non? C'est très très bien remonté tout ça, ça fait plaisir. Et la tresse dorée avec. Bon, on a fait tout le botulisme, ça c'est cool. On va faire le cerf et l'aff. Et on va essayer de voir pour un dig-dig à nouveau. Sachant qu'on a un mal. Parfait, on a un dig-dig mâle et femelle. Ce sont. Ils vont revenir dans l'enclos. Là. Alors je me demande si on va pas modifier un poil la clôture. C'est bon. On est à combien? On est à 3,35, ouais. C'est pas mal. Le cerf, on va essayer de faire monter sa puissance là au niveau des recherches. On manque de boisson de ce que je vois. On a tellement de babouins là-dedans. Toi, tu dégages. Toi, bah, on peut pas te revendre, je ne sais pas pourquoi. La satisfaction, elle commence à bien remonter. Bon, là, ça baisse d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est les toilettes qui font chier, en fait. Est-ce qu'on dupliquerait pas des toilettes quelque part, mais... L'électricité, ça donne quoi au niveau de la couverture? Ici, on pourrait en vrai. Les toilettes de base. Elle me sort pas qu'il n'y a pas de toilettes disponibles. Hein. Eh, mais je viens de voir que j'ai un cerf albinos là. Non, je l'avais pas vu. Alors, le cerf et l'aff, ça commence. Habitat, optimisation, nourriture. Voilà. Alors c'est quoi qui manque là maintenant? Plus de boissons. Puis voilà, comme ça là, tout le monde est content. On va essayer de grappiller le plus de terrain possible. On a un ours à lunettes qui est décédé. Ah bah c'est la femelle. Oups.
Comme ça, on voyait une malle. Là, et on va récupérer les petits pour nous. Voilà. Et on va continuer de rajouter. Alors, on a combien d'agents de soins là? Enfin, d'entretien, on a une douzaine. Hein. Voilà. Et on va faire en sorte que tous nos agents de sécu, ils soient. Enfin, nos agents de sécu, nos agents d'entretien soient au moins niveau 2. Voilà, comme ça on fait comme ça. Ça commence à être bon. Donc on a 3,40. Il faut que je continue de monter en puissance sur l'éducation. Alors la nourriture. On va en mettre un là. Près des toilettes comme ça, c'est une strate. On a la petite zone. Là-bas, il n'y a pas de poubelle, évidemment. Il n'y a pas de poubelle. Et on va rajouter encore deux agents d'entretien supplémentaires en renfort dans le secteur. On est pas mal au niveau de l'éducation et de la satisfaction des visiteurs. Ok, ça commence à être intéressant. Là, je fais tout ce que je peux. Voilà, le CRLAF, c'est fait. On va repartir sur le Dic-Dic, là. Voilà. Alors le mâle, il va arrêter de copuler pour l'instant. Pourtant les déchets on fait au maximum. Hein. Oh putain, mais vous êtes vraiment des porcs. Hein. Mais vraiment. Je vais rajouter deux autres de plus là. Allez. Animal mort, c'est quoi? Babouin Madrias. Ah bah. Merci le jeu. Le jeu, il a dit. C'est ton oncle à part, c'est ça. Le jeu, il m'a dit d'aller me faire foutre. Allez. Bon, bah merci Momon, à la prochaine. Je pense qu'on si on joue bien le coup avec les petits trucs par-ci par-là et l'éducation encore à monter, on devrait se mettre bien, je pense. Bon, ça va. On en était où? Ouais, 3,38, ça va. J'ai peut-être enregistré dans le doute. Ça fait 3 heures que je suis sur le scénario, j'ai pas vu là. Bon.
Déjà, on va pas paniquer. Alors, l'électricité. L'électricité. Elle est là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des salles du personnel. Bon, ça, c'est très bien. Ce que je propose, c'est boisson, nourriture, toilette. Non, 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 je vais la faire en un bloc, c'est mad. Je la ferai en un bloc. Là, je vais rajouter un mécano dans le coin, on sait jamais. Alors, le mal, on va tout de suite mettre les contraceptifs. Ouais, bah, je le fais pour les scénarios, même sur Edge of, tu sais. Alors, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et on n'a plus de marqueur, c'est vrai ça. MARK, ouais. Alors les marqueurs, on va tout de suite les refoutre dans l'enclos ici. Donc là, mes canons en renfort. Là, je vais tout de suite faire une zone d'éducation de l'enfer. Alors, où est-ce que t'es, toi? Attends. On va faire comme ça. Je t'avoue que je mets mes dernières vidéos, Mad, en truc. Après, je fais pas forcément attention à ça, pour être honnête avec toi. À moins que si t'as une astuce, au cas où, je suis preneur. Ah. Mettez-moi des poubelles à gogo, là. Voilà. J'ai combien d'agents d'entretien? Je suis à 14, j'en rajoutais 2 de plus encore en renfort. Un dic-dic adulte de plus. Ok, le dic-dic, c'est parti. Hop. Comment? Non, mais ça me fascine. Une espèce de bouquetin qui chope la grippe aviaire. On va tenter le coup pour le coup. Alors sur une... ajouter. Ouais, ok, je vois l'idée, ouais.
Ah, il faudra que tu me remontes le truc, peut-être que j'ai mal posté le truc, configuré le truc, hein. Ça peut m'arriver. Donc l'éducation des visiteurs. Après là, c'est le marketing, hein, qui me manque. Tu sais quoi, on va tenter le tout pour le tout, hein. On va voir ce qui me manque pour le marketing. Là, je suis à 4,07, hein. Ça peut continuer à monter le truc, hein. Quatre zéro quatre. Ça suffit pas, hein. C'est un truc de dingue, hein. Là, on va bientôt avoir ça au niveau. Ouais, après, il faudra que je refasse un peu le marqueur aussi, hein, pour que tout le monde ait un petit peu de quoi faire. Et je vais essayer de faire des trucs de. Comme ça aussi. Je crois que pour le marqueur, j'ai rien fait, hein. Ouais, j'avais rien fait en vrai pour le marqueur. Marqueur. Bah là, je peux rien faire parce qu'il n'y a pas d'électricité là. Marqueur, ok. Alors, pognon. Ça, on va monter là, le truc à fond. Bon. Il nous manque 0,44. Bon, on va continuer de boomer l'éducation, hein. Moi, je vois pas ce qui peut nous aider. Ce que je peux faire d'autre. Hein. Électricité. Là, je l'ai fait. Là, je l'ai fait. Là-bas, je l'ai fait. Là, ça sert à rien. Alors, on est en train de grignoter du terrain, là, ça fait plaisir. Petit dig de cœur qu'on va monter au niveau 2. Après, on va le monter au niveau 3. On va s'arrêter là et ensuite on fera le marqueur. Je pense que ça devrait être bien. Et là, on descend, je sais, tu sais pas pourquoi, tu redescends hein, d'un coup. Pourtant, j'ai une note d'éducation qui est pas mal. Je suis remonté à 4,07. Je commence à grignoter un petit peu le terrain petit à petit. Là, je vais encore faire. Alors, on va changer pour le dig-dig, on va faire le marqueur tout de suite.
Alors plusieurs babouins madrias adultes, ça va nous aider. Punaise, lui il est pas évident dans ce scénario, hein. On est quasiment à... Voilà. Bon, je crois qu'on va arrêter le marketing, ça va nous tuer sinon. On va arrêter, on va arrêter. Et on va arrêter. On est à 3,40 ici. Je vais m'arrêter là, mais je pense que je n'aurai pas la vie d'heure d'or, mais j'ai l'idée. Du coup. C'est comme ça, bon. Je le prends pas comme une défaite, au contraire. Mais je pense qu'il faut bien monter son truc d'éducation encore. Alors tu fais toutes les recherches à fond. Sachant que j'avais pas le truc du marqueur encore, j'avais pas mal de trucs à au moins à moitié quasiment. Donc je vais m'arrêter là, je remettrai la rediff. Plutôt satisfait, bon c'est dommage que j'ai pas eu l'or, mais c'est pas grave. Je le ferai de mon côté au pire. Je vais m'arrêter là. Bon, en tout cas, merci à tous d'être passés. Sir Madness, Momon, merci au Follow de Cavani tout à l'heure. On se retrouvera pour de nouvelles aventures plus tard. Et je vous dis une bonne soirée, un bon dimanche, prenez soin de vous. Ciao ciao! Bon bah heureux, donc je vous retrouve sur Planet Zoo. Donc je me suis, après avoir terminé le scénario, enfin après qu'est-ce qu'il nous manque un dernier objectif, donc en or, donc avoir les 4 petites étoiles, donc j'ai fait une idée, donc vous voyez que je suis en l'année 90, j'en ai chié, mais j'ai réussi à avoir le grade or, et du coup vous l'aurez en bonus de la VOD. Du coup on a toutes les étoiles, donc eh bien le résultat est vraiment superbe, c'était un plaisir de voir que Tiffany vous... avez réussi à peaufiner le zoo? Attends, je dois admettre que sans vos efforts, nous n'aurions jamais pu atteindre ce résultat. La fête est une véritable réussite. Alors au nom du zoo de frontières, je vous remercie. Et en mon nom aussi, bravo, maintenant détendez-vous et récoltez le fruit de votre travail. Cet événement témoigne vraiment de votre grande expertise. Les visiteurs sont ravis, les animaux sont bien soignés. Je pense qu'ils seront bientôt prêts à rejoindre leur programme de préservation dans le monde entier et pour la survie de leur espèce. Je parle des animaux, bien sûr. Papa et Nancy m'ont écrit pour me dire qu'ils aimeraient bien visiter le zoo un de ces jours. Ils ont l'air très fiers du chemin que vous avez parcouru. Oh, Tiffany m'a demandé de vous dire que son père l'avait bien inscrit pour un diplôme de zoologie. Apparemment, elle a trouvé que vous aviez d'aide ça. Quoi que ça veut dire. Eh bien, ça fait un zoo de plus que vous avez réussi à aider. C'est un plaisir comme toujours. Je dois passer à mon prochain projet, mais vous devriez vous reposer un peu et admirer tout ce que vous avez bâti. Je parie que vous travaillerez très bientôt sur votre prochain jour. Après tout, les animaux passent en tout. Donc, on va rester sur le zoo. Donc je vais vous montrer un petit peu, donc là on a tout. Ce que j'ai fait, bon, j'ai maintenu un petit peu les enclos, j'ai renforcé des trucs par-ci par-là. J'ai mis beaucoup de trucs d'éducation, hein, ici, là, pour être bien. Alors, encore quand j'avais des décès, parce qu'il y a plusieurs générations qui sont écoulées, bien sûr, de nos animaux. Je devais remettre à chaque fois les panneaux éducatifs. C'est dommage que le truc se remet pas automatiquement. J'espère qu'un jour ça se travaillera sur une mise à jour. Donc là j'ai rajouté également des petits présentoirs ici, donc pour permettre gagner plus de points d'éducation. Donc là pareil pour le marqueur. Donc là il y a des petites configs à faire. Donc là il vous arrive à l'enclos des chats de palace, je l'ai mis à l'entrée directement. Comme ça je me dis que ça peut toujours être une bonne chose. Donc j'ai eu pas mal de tortues à un moment, donc j'ai dû en virer pas mal. Et ce que j'ai également fait aussi avec les recherches vétérinaires, j'ai recruté plein de scientifiques pour les mettre dessus et avoir le bonus de recherche avancée ici. Donc pour être plutôt pas mal là-dessus. Donc on a remis tous les animaux du DLC, les chats de palace, les digues de Kirk, les tortues sillonnées, les ours à lunettes que j'ai laissées dans cet enclos. Les propres. Comment on dit déjà? Les propithèques de Coquerel, les babouins madrias, les léopards qui sont avec l'extension, les marcors, le Cerella, bon c'était un rajout, mais bon vous le connaissez déjà. Je crois que s'il avait été rajouté avec un DLC, avec une free update. Et le fameux Dick Dick de cœur. Donc on a tous nos animaux. Donc
On en a 1, 2. Alors du dessin, on en a 1, 2, 3, 4. 3, parce que je compte pas le léopard, c'est un cadeau gratuit. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a rajouté le léopard avec le Free LC et le CRLA pour remplacer les chats de palace qui se barraient à chaque fois. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal, je suis satisfait, on a réussi à faire encore un scénario en or. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!